Salut mes allumés pixels, voici un nouveau format vidéo qui s'appelle Idée d'expert. Bon, l'expert pour le coup c'est moi, mais ne vous inquiétez pas, mon ego est toujours bien emballé et n'est pas prêt de se faire la malle. En gros, ce format de moins de 2 minutes va vous donner des trucs et astuces au sujet de vos boîtiers Nikon, tout comme au sujet des techniques photographiques généralistes. Pour ce premier épisode, je vais donc vous permettre d'optimiser le réglage des ISO avec votre réflexe de la série D7000. En mode A ou S, le seul moyen que vous aviez jusque-là pour régler vos ISO était d'appuyer sur le bouton « Moins ISO » qui se trouve ici. Pas toujours facile en gardant l'œil dans votre viseur. Et oui, essayez de vous placer en mode A, puis tournez la molette secondaire, vous vous rendez compte que vous ne réglez que l'ouverture. C'est normal, c'est le mode A. Et que si vous tournez la molette principale, ça n'a aucun effet. Dommage d'avoir une molette qui ne sert à rien. En mode S, la molette principale, celle-ci, vous permettra de régler la vitesse, mais la molette secondaire, elle, n'aura aucun effet. Allez donc dans Menu, puis Réglage perso, ensuite sur D, qui correspond à Prise de vue affichage, et cliquez sur D8, Réglage simple de la sensibilité. Passez-le sur ON. Et voilà, maintenant en mode A ou en mode S, la molette qui ne servait à rien vous servira maintenant à régler hyper rapidement vos ISO. Magique, non ? Allez, un grand pouce en l'air, un commentaire, et ensuite sortez et shootez. Bye !